L'origami du coq, c'est le dernier animal qui fait partie de notre histoire des musiciens de Brême. Nous avons besoin pour le matériel un feutre noir, un crayon de couleur rouge, de la colle, une paire de ciseaux, une paille et un peu de scotch. Nous avons donc la fiche à imprimer pour faire notre origami. Juste demander de l'aide à vos parents. Donc dès que vous avez votre fiche, on va pouvoir colorier l'aile et la crête du coq en rouge. Et ensuite, on va découper le tour du carré pour commencer à faire nos pliages. Donc pour commencer le pliage, on va plier les pointillés à l'intérieur et vous allez devoir donc plier en diagonale sur la ligne centrale qui est en diagonale. Là, on va replier encore sur les lignes obliques pour avoir un peu la forme d'un chapeau pointu. Les pointillés à ce moment-là sont à l'intérieur. Donc là, vous voyez, on va plier notre chapeau pointu en deux. Si vous voyez bien, il va falloir plier dans le sens où on ne voit pas les pointillés. Vous allez faire pivoter votre petit triangle sur le côté et on va faire une petite marque rouge pour pouvoir savoir exactement à quel endroit il va falloir plier. Donc sur la première image, vous avez vu, on a déplié et on a tourné pour voir nos pointillés. Sur la deuxième image, on a retourné l'ensemble et on ne voit plus les pointillés. Donc sur cette feuille pliée, nous avons bien sûr les pointillés à l'intérieur. J'ai remis à plat pour vous montrer qu'ensuite on va devoir replier une pointe pour faire la queue du coq. Je redéplie et j'essaye de diriger la queue du coq vers le bas. Tout ça, c'est juste pour la préparation, pour faire le marquage du papier. Donc à chaque fois, on appuie bien sur son ongle, mais ce ne sera pas la position définitive. Encore une fois, j'ai redéplié et cette fois-ci, je vais diriger la queue du coq vers le haut. Je n'ai pas appuyé volontairement pour que vous voyez bien comment le pliage est fait. Donc là, notre coq commence à prendre forme. On va bien appuyer sur la queue du coq. Et ensuite, on va faire un pliage. On regardera bien l'intérieur de la pointe à droite pour voir la forme du bec. La forme du bec doit être repliée à l'intérieur. Donc là, je vais pouvoir coller la crête de coq sur le haut de la tête de notre animal et aussi son aile qui est sur le côté. Vous pouvez la poser comme vous voulez. Et ensuite, on va dessiner avec un feutre noir l'œil du coq. Vous pouvez bien sûr faire les deux côtés de votre origami. Donc la dernière touche pour notre coq, ce sera de coller avec un peu de scotch de la paille à l'intérieur du pliage. Et voilà, nous avons terminé nos quatre personnages de notre livre Les musiciens de Brême. Nous avons le chat, le chien, l'âne et le coq. Amusez-vous bien et profitez bien. À très bientôt.